Et hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory, le deuxième dans lequel on construit cette petite usine. Voilà, oh c'est très sympa, dis donc si c'était en HD, qu'est-ce que ce serait encore plus beau. je crois que si je lui mets en HD, mon PC il fait... Voilà, mais il le dit comme ça, hein. il me le dit, il va me voir, il fait... Et là je lui dis, bah qu'est-ce qu'il y a, il me fait... Et puis après bah, il s'arrête. Donc, on va pas faire de l'HD. Bref, j'arrête un peu mes bêtises et on passe tout de suite à la production de fuel à partir de notre résidu de pétrole brut, de pétrole lourd, pardon. Oula, c'est proche là. Peut-être te le faire un peu plus comme ça, hein, parce que sinon c'est un peu proche. Donc là, on a deux raffineries qui font du fuel à partir de résidus de... Voilà, donc ça fait du carburant résiduel en recette. On se met au travail, c'est bien, on a bien rigolé, mais maintenant, au travail. C'est vraiment comme ça. Hop, donc mon truc c'est ici. Ici. Voilà, chauffe Marcel, alimente. Tout ça, donc, on a une petite entrée ici et là de résidus de pétrole lourd. Donc. Horizontale et verticale, impeccable. Alors là, je veux voir un truc, c'est que si je fais customisateur, que je prends ça et que là je fais tac, est-ce que. Non, ça me le prend pas, c'est dommage. J'avais cru voir un truc comme ça à l'épisode d'avant, j'étais content, mais non, pas du tout. Hop, hop. Donc, on récupère notre résidu de pétrole lourd à partir de là. Oh, regardez, c'est wonderfulment magnifique en plus. Hop, voilà. Je dois en avoir un deuxième ici. On aligne comme les étoiles, elles sont alignées. Non, dommage, pas de chance. Hop, ici on fait notre petit lien. On customise. T'as vu avec with the English accent. Hein. On va repartir sur du French accent puisque l'English accent ça me casse un peu les bonbons là. Oui, on a tout ça donc qui arrive dans nos machins et nos machins, nos trucs. Oui, tu es très explicite, Tiob. Merci, tu peux continuer comme ça. Non, c'est pas ça. Hop. Donc tout ça, ça me fait du carburant. Et merci. Alors si on prend ça, c'est mieux. Ah oui, bon alors si je l'aligne, c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai que ça marche que dans un sens et pas dans l'autre, c'est quand même dommage. Customizer, on va mettre la bonne couleur, SV please. Et donc je disais, tout ça là, ça nous fait du carburant un peu. On avait calculé à... J'ai 94 qui sort par minute. J'ai la flemme de calculer. Bon. 160. C'est comment, comment on fait déjà, c'est... J'ai dit combien, ouais. J'ai un trou de mémoire d'un coup. Oui. Donc 120 fois 40 divisé par... j'en ai combien en fait. Voilà. Divisé par 94. Donc ça me fait 51 plus... mais d'où ça me fait 63. Ah, oh, c'est con. Ah, c'est con. Ah, ça va me faire 3... Non, je vais vraiment... Je vais quand même pas devoir placer... générateur à carburant pour ça. Oh merde, attendez, en plus je viens de voir fil actif. Alors fil actif pour le coup ça j'ai pas pris. Ça si j'ai pris c'est un au miracle. Hein. Caoutchouc je veux bien. Et ça consomme mine de rien du caoutchouc. Ah les fils actifs, oh, j'ai pas pris du tout. Chercher du fil actif. Ouais c'est un peu embêtant dans le sens où... 60... Ouais non mais sérieux, 63 fuel. C'est 20 par centrale. Est-ce que je peux mettre... Alors ça, c'est ça va être une... Est-ce que je peux booster la production de mes centrales avec une aile... Les éclats de charge. Ce serait trop beau, non?
Bon, on testera. Parce que si je peux, en vrai, j'en mets un. J'en mets un qui produit un peu plus. Hein. Je sais pas mon kikiné. Hein. En vrai de vrai. Mais je crois qu'on peut pas. C'est quand même triste encore. Sniff, cette histoire. Fil actif, est-ce que j'en ai dans le coin? Oui. Bon, dans le doute, on va en prendre 1000, mais je pense que je vais pas en avoir besoin d'autant. De toute façon, au pire des cas, si vraiment tu vois, c'est, ça nous en bouffe une chie et demie, on ira les chercher, on ira chercher hein, la production de fil actif. C'est pas un souci. Excusez-moi si vous entendez la moto, hein, ah non c'est une voiture ça non plus. Voilà. Une bagnole à peau d'échappement de scooter j'ai envie de dire presque. Mais bon. Les centrales je vais les mettre par là, je vais pas m'en kikiner là. Ok. Hop, je vais en mettre un quatrième. Je pense que ça devrait le faire. Hein. J'ai que 4 générateurs à carburant. Ah oui, alors attendez, je le place n'importe comment. Je veux voir. On peut booster. Ouais. On peut booster la prod. C'est ce que je vais faire. Alors, comment je vais me dé. Oh merde. Comment j'avais calculé 63. Putain. Falloir que je calcule parce que 3 c'est 5%. Donc je vais les mettre à 100. Je vais en mettre un à 105% en fait. Et ça devrait être bon. Générateur. Donc 3 générateurs dont 1 à 105%. Hop, tac, 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 tac. On va essayer de le mettre bien. 1. J'ai plus les moteurs. Forcément. Hihi. J'en avais rapporté un pour en prendre 100. Je pense que comme ça on aura de quoi avoir venir. Toi tiens. Alors j'ai mis où? Oui c'est mon entrée elle est là. Toi tu vas être celui à 105%. Oh, passons. Pardon? Ah merde, j'ai plus le. Oh j'ai plus l'éclat de charge. Voilà, c'est bien, j'en ai un truc là. Et viens là. Voilà, allez hop. Tac, établi. Petit éclat de charge là. Voilà. Donc toi. Hop, merci de passer à 105%. Hop, le truc par contre que je veux faire gaffe c'est que les autres elles soient pas à 105%. Bah elles peuvent pas de toute façon, j'ai pas d'éclat de charge, je tiens à dire. Sinon il y aurait une belle faille dans le jeu. Hop, pipeline pour sol, sur sol, accès pipeline, voilà, accroché, je sais pas comment ça s'appelle, machin, nignin, blabla. Ça c'est quoi ça? Alors, je vais juste rajouter là. C'est quoi? Ça sort du carburant. Ok, très bien. Ok. Hop, oui, ça devrait suffire. Pas besoin de beaucoup plus en longueur. Donc je récupère ça là. Allez, à vue de nez, on va dire, c'est là. À vue de nez, c'est à peu près quand même.
Hop. Impec. Et je crois qu'à un autre moment, j'ai également du... un autre endroit où j'en... Bah c'est là. Hein. Je crois que j'en produis là, hein, en vrai. Tac. Alors, il va falloir essayer de placer ça bien, parce que sinon c'est moche. Sinon c'est dégueulasse. Allez, on va voir. Tac, 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 tac. Ça m'a l'air bien comme ça, et hop, ici je peux... Ah, c'est droit, hein. Ok, impec. Ah, oui, alors bon. Petit souci, petit beans. C'est... Très, très léger beans, c'est pas grave. C'est que sinon, bah, j'ai plus rien pour faire repartir, en fait, dans ce sens-là. Donc j'étais un peu triste. Ok, là je mets ça. Tac. On n'est pas bon. Hop. Impec. Alors dans quel sens ? Ouais, je l'ai mis comme ça. Ok. Bon. Trop bien grave ça, j'ai rien d'autre dans le coin normalement, donc c'est pas très très grave. Si j'ai... C'est pas en dessous de la zone de, d'utilisation, de production. Voyons, tiens, j'aimerais bien faire un truc en vrai, tiens, on va pas s'enquiquiner, on va pas se prendre de le chou, tac, on est droit là. Voilà. Bon, on va garder ça. On va essayer de mettre de la couleur là où on en a pas mis. Je sais, ça va être compliqué parce que j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il y a de la couleur, d'où est-ce qu'il y en a pas. Ok. Ouais, c'est déjà fait là. Ok, ok, oh ok. Ah ça, ça me le met. Ah ça a peut-être été corrigé parce qu'à une époque je pouvais le mettre autant que je voulais. Ah c'est bien ça. Ok. Donc tout ça, tous les... Là les... Enfin voilà, c'est alimenté là. Alors c'est alimenté mais ça ne fonctionne pas encore parce que... Ah ouais, deux choses. Alors, oh, j'ai peut-être possiblement oublié un peu de... Oh non, mon vieil. Comment ça, mon gars? Oh non. Mais... c'est... Ah, ça, c'est pas cool. Non, c'est pas correct. Ah non, là, c'est pas correct. Là, je suis déçu. Bon, raison d'aller vertical, on va se taper tous les tuyaux, c'est dommage. J'aurais dû faire la vérif avant, en vrai c'est ma faute, hein. C'est comme ça. Hein. Même celui-là du coup il est pas bon. Oh merde, c'est quand même pas de peau ça. Hop, on va passer en kikiner. 8. Merci. Et... Va falloir mettre de la couleur en plus. Oh là là, terrible. On va le mettre là du coup, hein. On va le mettre juste là. Waouh, ouais, petit souci là de raccordement là. Il va falloir que je mette de la couleur aussi en haut maintenant. Je suis en train de me dire. Déjà en couleur ça? What? Ah, ce loup de vieil là qui me casse les bonbons. Je le vois tourner depuis tout à l'heure là. Il essaie de m'avoir. Alors, rien à foutre. Ouais, rien à secouer. Peut-être débrouiller là. Ouais, effectivement, le nuancier est parti de là. Donc, hop. Attends, la lime elle est où là? Ah oui. Oh, terrible là. Bon. Putain, il va falloir trouver le centre hein, là en plus de ce machin là. C'est là. Ici. Ah bah oui, bah du coup, oui, tu produis déjà. Hein. Ah oui.
prod est là, et on y est là, hop là, et voilà, c'est injecté sur le réseau. Ça fait combien? Ça fait 3, oh, c'est pas des masses, hein. Ouais, mais... oh, ça rajoute quand même quelques... ouais, ça roule quand même 750 MW à peu près, un peu plus de 750 en vrai, là, avec celui-là qui produit 125%. C'est très bien, c'est très très bien. Donc, on a du la résine de polymère, ah oui, et c'est là où on avait besoin de... je sais pas du tout où c'est... je comprends pas où. J'ai besoin de rotor pour ça. C'est là qu'on va avoir besoin de pompe à eau pour s'occuper de la résine de polymère. J'ai dit j'ai besoin de rotor. Voilà. Je savais que j'en avais emporté. Je me suis dit je suis sûr que ça me servira. J'ai bien fait. Allez, oh oui, ah oui, oula, oui, y'en a pas non plus. Hein, ah, pas des masses. Attends, ça pompe là. Oh, c'est génial. Ça c'est un peu un peu de la fraude hein, quand même. Mais bon, on en a vu. Ouais, alors je suis obligé d'alimenter quand même, faut pas déconner. Voilà. Hop. Allez, on produit. Voilà. Ah oui, alors, ouais, ouais. À faire. Voilà. Résine de polymère. On avait dit que ça. Ça, ça nous faisait plastique résiduel. Ouais. Donc là, je fais rentrer. La résine de polymère. Passage, machin, truc, bûche, là, on s'en fout. Ça, c'est pas dans le bon sens. Ça, ça veut de l'eau. Ouais, alors. Je l'ai pas fait comme il faut, ça c'était en courbe de chelou. On est à la verticale, j'ai rien dit. Ça, bon, c'est de l'eau. Je sais pas changer la couleur pour un, franchement. Tout ce que je veux voir, c'est que ça. Waouh, c'est moche. Waouh, c'est très moche. Ça veut pas là. Courbe, c'est bon, horizontale verticale, c'est bon. Original. Ouais. Hop, là. Plaque de fer. On va chercher notre résine de polymère qu'on va amener. On va lui faire faire tout le tour à la résine de polymère. Bon, pas tout le tour, mais on va faire un petit détour en vrai. Tac, tac. Voilà, on va prendre 600. Mince. Hop, la résine de polymère, elle est où? Elle est produite là. Je vais pas y arriver, moi. Hihi. J'aimerais bien être sur la bonne ligne. Voilà, ici comme ça. Voilà, donc là on a la résine de polymère qui arrive. On a ça. Ça, ça nous fait du plastique. Oui, c'est ça. Ça produit très peu de plastique en soi. Surtout que la prod elle est totalement cassée parce qu'on produit très peu de résine de polymère. Ma chaîne n'est même pas arrivée, tu me diras c'est 60 par minute. Ça va prendre du temps. Ah oui, à partir de ça je veux faire. Un constructeur qui fasse du plastoc. Non, qu'il fasse des bidons vides, oui c'est ça plutôt. Plastique, j'en ai déjà.
Hop. Je les vois tes boules de feu, intéressant. Voilà, donc là on a l'île de ce bazar. Voilà, merci. Ça nous fait du plastique. On va essayer de m'avoir là, je suis bien planqué là. Et à partir de là, j'ai besoin d'un conditionneur. Attendez. J'ai fait du caca. J'ai fait n'importe quoi là. Comment ça, pas d'alimentation? Bien sûr que t'as une alimentation. Ouais, t'as pas de ressources, c'est sûr que ça. J'y réfléchis. J'ai dit que j'avais production 63 de fuel. En fait, je vais faire mieux. 63, ça je remets en fait à 100%. Je vais faire du carburant conditionné. Alors, ouais, j'aimerais bien faire du. Non, c'est infaisable le biocarburant. C'est... Bref. C'est que ça, bah, il va me bouffer deux. Je veux que ça me bouffe deux. Non, comment j'ai dit ? 3 de carburant par minute. Ah, terrible. Ah oui, mais attendez. C'est vrai que là, on peut mettre 7,5. Wonderful. Isn't it. Moi, je trouve... voyons voir le truc. Le truc qui est là. Ok, donc là, j'ai un... Ah putain, j'ai une double entrée. Oh, ça va être un peu chiant à faire. Parce que là, forcément, j'ai le... Le plastoc. Attendez, est-ce que ça marche là? Ah zut, bah c'est badou. Et en plus, bah je vais avoir le... Comment ça s'appelle? Pipeline. Le carburant. Quoi? Hein? Est-ce que ça marche? Attendez, je vais tester un truc. Pas sûr que ça marche du tout. En plus ça va où? Ouais, bon, ça va le faire. Ça va le faire. Une courbe, ça le fait là. Couleur, non, c'est ça. Ok. Et ça va me consommer 3. Ça part ensuite soit dans un broyeur. D'ailleurs, je vais tester que ça passe bien dans le broyeur. Parce que si ça passe pas dans le broyeur, je vais devoir revenir à ma première méthode 105% là. Répartiteur. Avec là, je vais remettre un double. Parce que vu la production qui sera très faible, je vais préférer mettre un double. Ah ouais, ça... non. Alors, peut-être que j'alimente... J'avais pas assez de tuyaux d'acier, je crois. Non, tuyaux ou... Ah oui, bah oui, j'ai vu là que j'avais plein de poutres en acier, donc c'est des tuyaux clairement que j'ai pas. Alors... Voilà, j'en ai là. Oh, 59 as. Oula, est-ce que... Oh.
bon freeze celui-là. Bon là ça tourne pas parce que forcément tout ce qui est plastique c'est ça... Attends, ça veut dire qu'attends... C'est plastique qui est bien. Ah oui, plastique qui est plein. Alors conteneur double, si je mets ça dans un coffre ça va peut-être moins bien fonctionner. Hop, 8, non. Oui, non, oui, non. Ah d'accord, ouais ça veut pas, ok, bon bah super, très bien, ah, d'accord. Pas de problème. Voilà. Alors, il faudra se montrer un peu plus ingénieux parce que il est possible. Je vais annuler mon truc là, là je vais faire un truc spécial. En fait là il est possible que je vais t'éclater toi. Que ça passe pas là, donc je vais faire un répartiteur et je vais faire encore entrer. Donc elle où entrer là. C'est possible que je produise plus voilà, donc je fais un répartiteur et je ferai un répartiteur intelligent. Là je vais faire un groupeur. Je sais même pas si je suis en face là, pourquoi ça me... Ah oui, oula non. Alors, des gros. Décale un petit peu. C'est bon là? Oui. C'est totalement bon. Ça va produire encore moins, surtout sur le début. Donc j'aurai pas les répartiteurs intelligents, ça va être une production, mais alors. Lente! Lente! Ah oui, merde. Je peux pas faire ça. En fait, faut que je regroupe après la séparation. Et ouais. Donc, on va faire autrement. Bah, je vais faire un verre, lui, tout simplement. Pas mon kikiné là. C'est que là, je vais le faire comme ça, là, hop. Bon, je sais pas si je l'ai bien placé, j'aurais peut-être dû le placer à vrai. Ouais. J'ai mon répartiteur, je répartis, je fous là-dedans, fou groupeur, lui il me sert à plus rien. Hop, je fais ça, et lui là. Oui, c'est bien ce que je pensais, il est mal placé final. Conteneur industriel. Voilà. Là je récupère pas les bidons vides. Je m'en fous un peu. Ok, ok, ensuite. Maintenant que j'ai ma prod, ça faudra tester hein, par contre, parce que... pas certain. Ensuite, donc à partir de plastique, il nous reste 4 assembleuses à mettre. Les assembleuses vont récupérer du plastique et des les tôles de cuivre là. Donc assembleuse, assembleuse, est-ce que je vais pouvoir placer ça? Voilà, en vrai de vrai. Je vais me placer un peu plus près, ouais non, ça sera un peu chiant, non. Dans le bon sens si possible. Dans la bonne direction, 1, 2, 3, 4, sachant que c'est du circuit imprimé. Coller, 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 et que j'en ai une qui fonctionne à... 60% maintenant tous les cas, de toute façon elle s'équilibrera au bout d'un moment. Donc c'est pas un problème. Voilà. J'ai vraiment un câble qui... Ok, j'avais oublié ça. Donc... en train de me dire attends, il faut quoi des gens comme entrer, il faut quoi comme sortir.
intéressante. Ok, donc tout ça, hop. Là-bas, on va faire les sorties tant qu'on y est. 1, 2, 3, 4 sorties. De toute façon, vu la prod. Ça. Oh merde, oh, c'est vrai. Oh. Ouais, donc j'aurai une prod d'ordinateur sur le début qui sera pas terrible. Mais c'est pas très grave. Ok, donc je vais faire la lime de tout ce qui est ça. Là, je sais pas ce que ce sera encore. On peut se profiter. La partie terre plutôt, ce sera mieux. Qui partira comme ça. 1, 2. Quatre. Je suis vraiment mauvais quand j'ai mimé moi. 1, 2, 3, 4. Et l'autre, de l'autre côté on alimentera un autre truc. C'est pas encore pareil. J'ai la flemme. Ah mais tu me 4. Alors une apparente. Ça sera le MK1. Voilà. Et là faut que j'aille trouver. Putain. Où est mon plastique? Attends, là j'ai de la prod de plastique. Ok, tout ça c'est de la prod de plastique. Tout ça c'est de la prod de plastique. Ouais, ouais, c'est bien ça. Et ma sortie de plastique qui est là. C'est quand même ballot ça. C'est quand même ballot. Hein. Bon, flemme. Voilà. On va dire que voilà, c'est t'inquiète. Ça se voit pas. Je vois pas qu'on est au-dessus. Non, moi surtout, j'ai la production de tôle. Elle est où ma production de tôle? Elle est là. Ah, j'en vois là. Ah. C'est quoi ça? Ah oui. Oui, d'accord. Ok. Ouais, ça me revient. Oh putain, mais pareil, c'est un peu chiant par contre. Pff, je peux même pas faire comme ça. Ouais, bon, écoute. Si j'ai la motivation, je bougerai le truc plus tard. Si j'ai pas la motivation, ça restera là. Hop, tout ça là, ça passe comme ça. Ah merde, j'ai mis du MK1. Ouais, c'est peut-être pas terrible ça par contre. Ok, c'est bon. Ça c'est bien du MK3, tout ça, et là tout ce qui part c'est du MK3, ok. Donc là j'ai la tôle et le plastique qui arrive, et là je devrais récupérer du... du bordel, oui, non, ça c'est pas la question, c'est circuit imprimé. Là j'ai mes circuits imprimés. Lui, je suis pas sûr d'avoir. Si, peut-être en fait. Donc là j'ai mes circuits imprimés. Et ensuite, des circuits imprimés, il faut que j'aille dans l'assembleuse qui prend circuit imprimé plastique et câble. J'ai un endroit pour placer un... Alors, à la rajouter par là. Ça devrait le faire. 1, 2, 3, 4, tac. 1, 2, 3, 4, tac. Oh non, alors s'il manque vraiment du béton, parce que je suis à peu près sûr qu'il va pas m'en rester des masses de béton. J'espère me tromper, je me trompe. Il me reste pas des masses, hein. Il me reste 1000, j'en avais déjà pris pas mal, hein, mon avis.
Il me reste 1000, bon 1000 ça devrait le faire quand même. Pour ce qu'il me reste à faire, si ça me suffit pas, je suis un peu dégoûté. Hop, la façonneuse, il me faut du câble. Alors on va éviter de récupérer ceux des lignes électriques, sinon ça peut faire un petit couac. Façonneuse, donc je lisais. Voilà. Alors on va essayer de le mettre bien où il faut à peu près quoi. Ok. Alimenter. On va dire tu me fais des ordi. Et ordi ça demande 3 trucs. Donc 1, 2, 3, nous irons au bois. J'en ai pas mis 2 là. Non, impeccable. En entrée, j'ai quelque chose de plus de 60. Non, ok. Donc circuit imprimé. 10 circuits. Putain, 10 par minute quand même. Donc circuit imprimé. Oui. Tac. Tac. Donc j'ai mes circuits imprimés. Wouhou! Il faut mes wires, mes câbles. Putain. Ils sont en bubble wed encore eux. C'est quoi ça? Putain, double gourde, hein. Ici c'est pas alimenté et là c'est pas alimenté non plus. Lui, j'en ai rien eu à foutre. Câble. Oui, donc ok, les câbles ils sont en sortie ici. Très bien. Il faut que j'aille ramener ça tout là-bas. Oh le délire encore. Bon, du 60, ça suffira par minute. Pas besoin de plus. Tac, 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 tac. Par défaut, donc 2, tac, 2, hop, je fais ça droit, ça on ira au besoin, comme tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, hop, tout ça là, putain, on va changer, toi, bon bah ça me fera quelques circuits imprimés, c'était pas prévu, mais c'est pas bien grave, comment ça, ah non, tu me l'as fait pas, ah non, comment ça, mon. Je me suis gouré en récupérant le. Ah, j'ai fait ça, la sortie par là. Oui, oh, c'est bon. La flemme. Ah, mais du coup, tout est à l'envers. Oh. Voilà. Je ne le dirai pas, mais je l'ai pensé très fort. Comment ça? Ouais, ça fonctionnait il y a 2 minutes, mon vieil, là. Ah, mais si, c'est parce que j'ai mis... Oh. Voilà. Donc j'ai 2 trucs et le dernier c'est. Donc j'ai mis le câble. J'ai mis ça, il me faut le plastique maintenant. Le plastique. Voilà. Ça me fait une console de taré en plastique hein, comme j'y pensais. Ça, ça part bien par là. Ouais, tu me diras, j'en pensais pas du tout en fait. Donc, pas tant que ça la console. Répartiteur, hop, ça c'est bien. Donc une partie qui va là, une partie qui va là. Là, je vais devoir faire encore joujou, là, on va passer par au-dessus. Hein. Donc 1, 2, 1, 2. Voilà.
Oui, bon, donc là, là, je devrais alimenter tout ce qu'il faut. Mon câble. Pourquoi il arrive pas, mon câble? Ah oui, il vient de loin. Et c'est vrai qu'il vient de loin. Et là, avec un peu de chance, j'en ai peut-être un ou deux qui traînent. Non, même pas. Toujours pas. Oh merde. C'est vrai, j'en ai même pas un là qui... Ça aurait dû arriver quand même là, quand même. Je veux pas faire mon rabat-joie, à moins que j'ai si peu de résine de polymère. Ouais, c'est bon. Ça me fabrique du plastique. Attendez, j'ai oublié un truc en fait. C'est bien d'avoir de la résine de polymère là. Un peu du plastique. Non, les... là ça me l'a envoyé le plastique là. Je vois un truc. Ouais, bon, ça va se stabiliser. Le plastique ça l'a. Non, oui, un peu, non. Peut-être un jour il arrive. Ouais, ce qui est pas d'arriver hein. N'importe quoi moi. Déjà que j'en produis pas beaucoup, alors si en plus je relis pas les machins. Ah, ok, quand même, il y en a quelques-uns. Hein. Allez, quand même. Ah, ouais, on a 83. Ah, bah oui. 30, bah ça me produira jamais 30 par minute de toute façon. Hop. Ok, donc ça me produit des bidons. Ça me produit 4 bidons à la fois. Oh, un. Ah, ouais, mais c'est que ça se produit ultra vite en fait. Ah si, 4 à la fois, Donc la moitié qui va à la poubelle. Et ça... Ouais, ça prend du carburant un peu... à terme, alors tranquillou le carburant... Hop. Ça me l'a pas... Vraiment. Alors être patient les gars. Ça je vous le dis. Hop. Donc là je produis double dose de carburant et un qui va partir par là, un qui va partir là. Donc ça, ça là, c'est bien, ça c'est pour moi ça. Donc j'en ai un qui est stocké là. Un qui est déjà été envoyé. On va voir si ça bloque pas. C'est surtout ça que je veux voir. Yes, ça bloque pas du tout. On a 50 000 points générés par minute, c'est bon ça. Et là, ça y est, j'ai un. Waouh! Un carburant conditionné! Là, en même temps, je vais tourner à 3 par minute. Hein. Pour le remplir, il va falloir envoyer. Il va falloir attendre. Il va falloir être AFK longtemps, les gars, pour remplir celui-là. Hop! Dernier truc à faire: le conteneur. Évidemment, que j'avais totalement oublié. Hop, le conteneur à ordinateur, voilà. Allez, on a déjà quelques ordis là qui ont été pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordinateurs, waouh. On dirait des grilles par les machins, putain, la taille du PC, waouh, on fait plus ça depuis. Ça fait longtemps des trucs comme ça. Hein. Vache. Ou alors c'est ultra puissant un truc comme ça maintenant. Ça tourne bien. Hein. Vous savez quoi en plus, il m'en faut deux. C'est bon, j'ai la flemme. Je l'ai pas vu, mais je viens de voir, il m'en faut deux en fait. Bon, ça consomme un peu plus, mais c'est pas grave. Exactement, il fait des bruits de panique lui, il est en mode. Ah, ça, ça accélère les mouvements. Attendez, je vais juste le mettre comme ça. J'étais persuadé que ça allait accélérer les mouvements, mais non, rien du tout. Rien. J'étais content, je me suis dit, oh, mais c'est bien l'interaction. Non. Ça va te calmer. Tout de suite. Hum.
Bah, ça marche plutôt pas mal en vrai. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On a combien? On a 43 minutes. Voilà. Bah, notre production de PC, tiens. Et de circuits imprimés. Bon, les circuits imprimés au début, en manquaient quelques-uns, comme je disais. On y retournera quand ça aura produit full PC. On verra. Merde, je voulais voir quoi. Bon, on va rentrer à la base vite fait. Et je vais voir si je peux débloquer ou non certaines. Certaines techno. Bon là ça va, je vous dis hein, là tout de suite ça va tourner la nuit hein. Là déjà tout ce que j'ai fait là ça va tourner la nuit parce que pour produire les PC il va y en avoir je suis à 5 par minute. Ah ça va, ah, ça va en mettre mine de rien. Je suis en train de me dire à 5 par minute je suis vraiment pas si mal que ça hein. Je suis à 300 par heure PC là. D'ici demain matin c'est rempli hein. Ah c'est un double. C'est 50 à la fois le stockage. Oh, ça va être rempli en pas si longtemps quoi. Peut-être pas demain matin. Non, pas si longtemps que ça. Allez, je voulais voir des choses donc. Bon ça je suis très loin d'y être. Tout ça pour scanner. Objet à scanner. Ah oui d'accord. Alors oui, alors bah tiens, on va commencer à débloquer. J'ai l'autre jour récolté du EME. On va scanner ça. Je vais voir juste si j'ai des choses à faire à part de ça. Et je peux faire du tissu là. Et débloquer un truc dans la main. Débloquer le tissu. Masque à gaz, etc. Électronimas. Cool. On va voir tout ça, je connais pas. Ça va être faisable à terme. Ça, un peu la flemme. Ouais, faudrait que je le fasse. Production expérimentale d'énergie. Ouais. Bon, on va faire tout ça. Mais d'abord, j'ai du cristal EME. J'ai du truc EME là. Qu'on va scanner. Strange alien matter analysis completed. Dormant crystalline SAM can now be found with the resource scanner. In its dormant state, it is safe to handle without special equipment and can be stored indefinitely. Research for enabling the reanimation of dormant SAM is now available. Fill the rivers with blood and let the effigies defile our temples. The sun will follow. Mm-hmm. Okay. Donc là ça me demande de faire des fluctuateurs de ME. D'avoir des tuyaux en acier. Oh merde, des tuyaux en acier ça je... Je peux pas avoir. Est-ce que je peux les faire à la main? De ce que j'ai compris je peux les faire à la main les fluctuateurs... Non? Il m'a menti? Comment qu'on les fait? C'est un mensonge, je reconnais. Toi là, techno extraterrestre. Récompense. Ah non, d'accord, faut que je fasse ça. Va me réanimer. Ok. Bah ouais, mais je fais comment? Formule. Génial ça. Ah! On va peut-être oublier un stade. Une chose qui arrive. SAM reanimation recipe unlocked. SAM can now be safely awakened, provided it is contained. Meaning, if not contained in special electromagnetic storage, it tends to start breaking atomic bonds of any matter it has physical contact with, and reconstructing it into easily transportable resources. Scripture and blood compose harmony. Follow our hallowed temple halls and listen to the echoes of your ripples. Our bones are more beautiful than yours. Mm-hmm.
Bon, on va essayer de voir là si on peut faire des trucs à la main. Yes. 10. Allez, voyons voir. Oh merde, les tuyaux. Oh merde, alors que j'allais chercher en plus. Il n'y a pas quelqu'un qui traîne par là-bas par hasard? Non. Bon, on va aller chercher. J'ai toujours pas retiré mes... mes supports pour convoyeur. Ou hyper tube, je sais plus. C'était mes points de repère pour savoir si ça se remplissait petit à petit de carburant. Bon bah je peux le dire maintenant, oui ça se remplit. J'ai totalement oublié de les retirer, tiens. C'est pas très très grave ça. Hop. Allons chercher ce qu'il faut. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça on en aura quelques-uns. Je sais pas pourquoi je me suis mis à faire un virage tout pourri là. Je me suis dit vas-y, je fais un virage. C'est bon. Écoute. Je devais avoir une raison. Alors qu'elle soit bonne ou non, j'en sais rien, mais je devais avoir une raison de le faire. Enfin, moi je me suis pas dit pour le fun. Si tu as une raison, tu me diras. Mais. Ça m'étonnerait un peu quand même. Allez, on garde la vitesse, une partie de la vitesse accumulée. Yes. Watch. Tcha. Merde. Bon, ce sera fait de toute façon. Ouais, ça bugouille un peu quand même. Alors qu'est-ce qu'il me dit? SAM fluctuator recipe unlocked. The fluctuator can mimic unique communication through patterns of electric frequencies to instruct reanimated SAM to perform specific tasks or give specific restrictions, such as matter to energy conversion. It can also function as matter memory, reading the exact composition and state of a collection of matter in one location, breaking it down, and near instantly reconstructing it in another location, which has incredible potential for smart storage. Your threads shift solid to fluid to a tapestry, matter, 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 and mind and melody. Oh la vache! Ah ouais, ça a l'air puissant. Ah ça a l'air vraiment puissant. Stockage, stockage en... Ouais, téléportation quoi. C'est une sorte, ouais, non, bah, c'est pas la téléportation, c'est... Destruction, reconstruction instantanée, c'est intéressant comme principe. C'est un peu comme si tu récupérais toute l'énergie de n'importe quoi, d'une tasse, parce que j'ai ça devant moi, d'une tasse. Et que tu la refaisais reconstruire à l'endroit où tu veux, quoi. Putain. Le principe est intéressant. Je
vais voir si je peux faire ça, mais je crois que j'ai pas de passé de matière. 9. Oh, c'est con quand même. Il m'en faut 10. C'est quand même ballot. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui et on va débloquer. Je vais essayer de débloquer les technos avec vous lors du prochain épisode et on verra un petit peu ce qu'on va. Ce que ça, ça va nous donner tout ça. Parce que là, j'ai besoin d'ordinateur, j'ai besoin de trucs comme ça. On va avoir un peu, on va attendre un peu de stocker des choses. L'appareil cool. Je sais même pas ce que c'est ça. Ça de ma smère. Ah oui. Bon, je sais ce que c'est au final. J'irai miner de l'EME et on verra. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. C'était Tiob.